Hey, on se retrouve devant notre Hey, régalier. asama de matte gurene ga. On va attendre jusqu'au matin. Bah écoute, on va attendre jusqu'au matin. Hein. Allez, c'est parti, on va au Cap Game cette fois-ci. En espérant qu'il n'y ait pas de choses qui peuvent nous arriver entre-temps, mais normalement non. Allez. On part de bon matin, direction KM pour de nouvelles aventures et retrouver notre chère Cindy et notre cher Sid qui nous attendent là-bas depuis un moment. Ils doivent se dire putain, ils se sont perdus sur la route ou quoi? Et non les gars, on a affronté une base ennemie. On allait débarrasser un daemon d'une forêt pour récupérer une arme d'ancien roi qui a l'air vraiment badass, le spectre du roi. Putain, si j'avais dit non, j'aurais raté cette arme, imaginez. En plus sur cette belle musique du mode du MMO Final Fantasy XIV. Dommage, elle était très utile, elle faisait une bonne healeuse dans le groupe. C'est dommage qu'on puisse pas la garder. En plus, elle est mignonne, hein. Ah ouais, je peux pas mettre sur start. Dommage, je voulais voir un truc vite fait. Menu de la régalée, je peux rien voir. Vous n'allez pas encore faire une pause, dis donc. Non, mais vous êtes sérieux là? Pourquoi une pause? Mais pourquoi tu veux t'arrêter au littoral? Ouais. Mais pourquoi voulez-vous Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Ok, au final on a looté quand même quelque chose, mais on se casse. Je sais pas pourquoi on s'arrête là. Inis, il était pas fatigué, il vient de rouler. Alors, il vient de rouler 300 mètres. Le mec est fatigué, c'est comme moi si je faisais Paris chez moi et je disais oh bah je suis crevé, ça y est, je me pose dans mon lit. Ah ouais, t'es un feignant putain Inis, hein. Surtout les autres qui leur donnent des idées. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que on profite bien de la vue, mais c'est beau, hein. On se dirige vers un autre port. Je parie, on va revoir le bijoutier. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va le revoir. Il va encore nous faire le coup avec son bateau là. Bon, on est plus très loin déjà, c'est pas mal. En plus, avec la musique To the Sun. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, si tu veux. Pourquoi on s'arrête au sanctuaire? Donc il y a un sanctuaire ici quoi. Où ça, je sais pas. Mais en tout cas pour elle, il y a un sanctuaire. Bah écoute, on va y aller. Mine de rien, elle est pas bête au niveau des sanctuaires, c'est des fois il y a des belles trouvailles.
Ok. Alors, je sais pas où tu veux m'amener, petite folle, mais... Ouh. Ok, on a récupéré le minerai d'argent qu'on devait récupérer. Ah, je crois qu'elle va nous faire perdre notre temps au lieu de... Ouais, c'est perdre son temps. C'est perdre notre temps, franchement. Si à chaque fois on doit s'arrêter pour aller voir un truc... On n'est jamais sorti de l'auberge. Sauf que c'est pas du tout intéressant. Et j'y retournerai peut-être un autre moment. Pour l'instant, l'objectif c'est d'aller à Com. Ça fait plusieurs fois qu'on retarde le voyage, donc on va y aller. Allez, on passe ce tunnel. J'ai l'impression qu'ils veulent pas qu'on avance. Hein. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils veulent pas que du tout qu'on arrive au Cap Kem. Bah ouais, moi je pêche. Lui cuisine. Prompto, mets les couvercles. On est enfin arrivé. En fait, ça a l'air d'être un vieux cap de routier. Au vu du camion là. Nocto. Ça c'est vrai, j'ai plus de potions. J'ai plus beaucoup de potions. Donc il faudra que je refasse du stock assez rapidement. Oh bah tiens, on parle de ça. Bah oui, on quitte Iris. On n'en veut plus d'Iris. Allez, on se suicide. Ouais, il est très intelligent ce Talgold, c'est le petit enfant pour ceux qui se rappellent pas. Mais je sens qu'ils vont nous renvoyer au début du jeu, vous savez, dans les petites mines, les mobs étaient assez HL. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Peut-être pas, je me trompe, hein. Bon, après, se dépêcher quand même. Ouais, cool. Bah tu vas rejoindre Talgot. Et on va faire un peu le tour du propriétaire. Ouh, grande maison quand même hein. Ah c'est magnifique franchement. Observez bien tout ça, c'est beau. ミスリルっていう鉱石が必要です。滝の洞窟の北に行くと湖があって、そこの古代遺跡の中で取れるっておじいちゃんの手帳にありました。 Nickel. Valéris une fois prêt. Bon, on va y aller direct. ベスペルコのことなんだけど L'Empire et tout ça, franchement ça me botte pas trop là. Qu'est-ce que j'ai tout ça? Jamais 203. Appris un ami ou trouver un compresseur mécanique à l'abandon. Bah on va la faire déjà celle-là.
Ça va booster un peu notre véhicule. Ça va nous faire un peu de gil. Popopo. Ok. Donc c'est où cette quête? Merde. Il bloque le chemin là-bas. Ça va pas aider. Ça va pas nous aider de passer là-bas. On pourra pas y aller pendant un bon moment. Ok. Alors, préparation du combat. Ok. Donc celle-là, c'est quoi? Un débloque qui l'élève. Faut faire quoi? Ok. Vous ne passez pas. Tente de voir une nouvelle route d'approvisionnement. Malheureusement, le chasseur qui devait faire ne donne plus de ses nouvelles. Chasseur de légumes. Ok. Bon, beau comme un chocobo. On va déjà aider notre ami des chocobos. C'est parti. On va retourner au véhicule déjà. Et on va aller récupérer ça. On va aller faire notre petite quête. Donc c'est un épisode. On va essayer de faire des quêtes, essayer de se faire un peu de points, un peu de potions et tout ça. Sachant que là, on a fait beaucoup de story mode et que j'ai pas pris le temps d'XP au fait. Enfin, quoique, je me prends, j'ai XP. Mais voilà, j'ai pas récolté de potions, j'ai pas récolté vraiment d'amélioration notable. Et le but, c'est pas d'être à la traîne. Du coup, voilà, allez, c'est parti, on va conduire la Regalia. Conduite automatique et laisser une de conduite. Continuer le trajet en conduite à destination choisie, ok. Beau comme un pagnon, chasseur. Alors, moi je vais aller. Moi je veux aller, c'est là. Non, mais c'est pas ce que je voulais faire, putain. Ok. Carte. Ah, mais je peux pas me téléporter, d'accord. Attends, je comprends pas là. Ok. Alors, on va conduire. Non. Franchement, j'ai du mal encore avec la Regalia. Mais on va s'en sortir. Alors, c'est pas une quête, c'est un parking. Donc, c'est à chaque fois. Relais des chocobos. Mais je peux pas me téléporter directement là-bas. Ça, c'est un problème, ça, quand même. Ouais, directement à distance, c'est parti. Ouais, je vais pas perdre mon temps, c'est pas à côté. C'est pas top quoi. On est enfin arrivé à destination. Bon, on est plus très loin. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un chocobo. On va prendre un petit chocobo qui est juste là. Hop, on va le louer pour deux jours. Ah, t'es là Yannick. C'est parti. Allez, galopons, chocobo. Ouais, c'est parti. Donc on doit pêcher. Ouais, bah c'est super, c'est super. C'est la quête que j'ai choisie, les gars. Franchement, j'ai pas choisi cette quête et... Ah, j'adore ce jeu. Bon, ça nous rajoute quelques mètres, c'est vrai. Ah, d'autres chocobos, c'est rapide. Ah,
Je veux dire qu'ici j'avais galéré des DP à faire mes chasses. Ah, je m'en rappellerai toujours. Le chocobo a pris Choco Serre et peut donner un puissant coup de patte à un ennemi. Oh, sympa. Quand Chocobo commence à devenir un allié. Sympathique, sympathique tout ça. Allez hop, galope mon petit chocobo, galope. Donc je crois que c'est photographier le chocobo sauvage. Nickel, j'espère pas tomber quand le soleil va se coucher. Ce serait pas top. Allez, allez. Ok, on est bientôt dans la zone. Putain, c'est un truc de ouf. On voit rien quand il fait nuit. C'est abusé dans le jeu. Putain. C'est horrible, on voit rien du tout. Je vais dans les arbres et tout, mais c'est... Mais c'est abusé, hein. De rien voir comme ça... Ça, on a de la chance, il y a un sanctuaire juste à côté. On va en profiter pour repasser en journée parce que là, c'est injouable. Je vois même pas où je vais, donc... Hop. On va camper quelques minutes. Comme ça, on va accumuler notre XP. Ok, on accumule l'XP. Et on va bouffer un truc assez simple. Hein. Des boules de riz. Voilà. Deux petites boulettes de riz. Ça va être bon pour le moral. Ah, on a les chocobos et tout avec nous. C'est mignon. J'avais pas remarqué ça, qui dormait avec nous. Ok, on est passé level 30. Ah, celle-là est magnifique comme photo. Il faut un beau couple, hein. Mais il va se prendre un râteau, je le sens. Allez, mon petit chocobo. On y va. On va essayer de prendre en photo ton collègue. Non, on peut pas passer par là. Ah, il y a un chemin. Je viens de le voir sur la map. Donc, on passe par là. Ouais, mais nous, là, on profite. Oh. Ok, ok, ok. On va y aller. On va pour... On va le suivre. Donc c'est le chocobo dont on nous parlait. Bon, j'entends des petits chiens. Ah, je me disais bien. Il va y avoir du combat. Enfin, c'est rapide comme combat. Hein.
Pas mal. Il fait mal le spectre quand même. Du coup, il s'est posé dans l'antre du gros mortel. Enfin, l'ancien antre du gros mortel. Est-ce qu'on va la voir ? Putain, il veut pas se faire photographier le petit. Ok, on y est. Ok, prends la photo. Il aime pas trop les photos, lui, on dirait. Hein. Quelle belle photo. MDR, ils vont se battre pour savoir si la photo est payante. Bon, sortons d'ici. Si j'arrive à passer en dessous, voilà. Nickel. Ok. C'est parfait. Où est-ce que je dois passer à part là? Je dois repasser dans le petit trou. Ok. Ouais, c'est moche que ce soit pas considéré comme une zone de donjon pour pouvoir se téléporter dehors direct. Mais bon, c'est pas méchant. Bon allez, on se casse d'ici. Attends, je suis jamais allé là. Il y a peut-être un truc. Ouais, il y a un petit truc qui était caché ici. Une petite corne. Délico à date. Je sais pas ce que c'est. À chaque fois, je rate mon rond, vous savez, pour récupérer mon endurance. Et tu sais, il attaque. Bon, on sort d'ici parce que la musique elle commence à me faire. Une musique bien flippante. Les chocobos sont juste là. Allez hop, on va monter dessus. Ok. C'est parti. Bon allez, direction encore une petite, un petit 100 mètres. On est pas très loin dans tous les cas. Et nos chocobos nous sont bien utiles. Allez, rendons la quête à ce cher monsieur. これはお礼としてはなんだが君のチョコボに使ってみたらどうかな. Ouais, je m'en doutais qu'il n'avait pas donné des giles. Bon, on prend quand même pas mal, un peu d'XP. J'allais dire pas mal, mais au final, non, c'est pas top. Une graine de Xé la folle, une graine de Doma et une graine de Mamok. Ok, je sais pas à quoi ça peut servir, mais. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est. T'inquiète. Alors,
On va se faire celle-là déjà. Elle donne pas mal. On va y aller direct. Alors. On va y aller avec le chocobo ou pas? Ah déjà je vais... Ok attends. On va relouer pour deux jours, voilà. Oh c'est pas très loin, vas-y on va y aller à pied. Ouais, mais là on va du coup l'aider un petit peu avec ses monstres. Là il va nous donner des vrais... une vraie récompense qui va nous permettre d'acheter nos potions pour les prochaines missions et d'avoir pas mal d'XP. Allez, un petit tourbillon Gladio ou pas? Ah, le bouclier du roi il est pas mal franchement. Allez hop. Ouh. Ils sont chauds patates là. Attends, ils sont immunisés contre... contre la glace. Non ils sont... ils prennent cher contre la glace. Au contraire. Donc du coup, qu'est-ce que je propose à votre avis? Boum! Allez hop. Allez Inis. On va tous se les faire. Allez hop, on nettoie. Ok alors. C'est le javelot, oui c'est le javelot, je tape avec mon épée de Peter, c'est le javelot où ils sont... ils aiment pas. Ok. Allez, protège-moi. Nickel. C'est quand même chaud à tuer, hein. Là, Inis, fais un peu le ménage. Hop, nickel. Petite balle perçante, on va leur faire un trou. Bien. Ok. Ah, ça m'étonne que même là, il fasse pas assez de dégâts quoi. Ok, donc du coup, ouais, je viens de voir que le bouclier, en fait, c'est pas la meilleure chose, au final. Fendeur de l'eau fait une puissante attaque qui inflige des dégâts importants à l'ennemi. Ah ok, bah, c'est mieux dans le tas, en fait. Ok, allez. On va rendre la quête. Après, on va faire les flashs de l'heure mentaux, pardon. Bon, on a fini ta quête. Donc voilà, on vient récupérer la récompense. Donc on est passé à 12 sur 15.
Du coup, on va faire l'autre quête. Si tu veux bien. Qui s'appelle Exorcisme de la forêt de Nebula. C'est parti. Si vous n'apparaissez que la nuit, attendre la tombée de la nuit, ouais. On va bouffer un bon truc. Ah, mais là, on va perdre un peu de gil. Là, voilà, ça va nous aider. On se bouffe ça là, une petite glace, voilà. Petit smoothie vert. Comme ça, on aura pas mal de résistance. Ok, nickel. Alors. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va appeler les chocobos. Alors, t'es là, mon petit poulet? Où est donc cette quête? Ok, on va suivre la route. C'est parti. Allez, c'est parti. En espérant qu'on rencontre pas de Daemon sur le chemin, sinon on va les défoncer, hein, tout simplement. Allez, on est plus très loin dans tous les cas. Là, on voit mieux, tu vois. Mais tout à l'heure, je voyais quasiment rien. Je pense que c'était à cause du coucher de soleil. Attends, j'ai cru que c'était un diamond, mais non, c'était une lampe. Ouais, trop loin maintenant. Trop loin. On va se faire les flageurs mentales. Enfin, un flash. On va se faire trois flageurs mentales parce que ça se dit pas des flageurs mentaux. Mais bon, je sais que c'est ce genre de PNJ de base sont bien chiants à tuer. Alors là, j'imagine pas dans cette difficulté. Ils vont pas être faciles à tuer. Ça, c'est sûr. Ok, on y est. Les voilà, ok. Équipement. Bon, c'est cool. Par contre, du coup, je crois qu'ils sont... On va voir, de toute façon. Alors, allez, venez. On va vous analyser. Voir un peu où sont vos points faibles. Et on va vous dépouiller, les gars. Je sais que vous avez été chaud à tuer la dernière fois qu'on était dans le donjon du Naga. Mais là, on a bien changé. On est level 30, on a 10 levels de plus que vous. On va vous défoncer. Bon, par contre, c'est un peu long là. Ok. Nickel. Allez hop. Ouh. Alors tu kiffes? Alors vous kiffez, les gars? Allez, c'est parti. Ok. Donc ils aiment pas... Ok, on fait un petit marquage, ils aiment pas les dagues. Ah, au moins, ok. Allez, Gladio, un petit tourbillon. Pour laisser Prompto récup. Ok. Bon, quand même, eux, ils sont plus faciles que les chiens, quand même. Hein. Oula.
On m'a fait une petite esquive du... Ok, lui, on se fait. On se le fait. Allez, hop, critique direct. Ok. Plutôt flash leur mort. Lession. Allez, on l'a mis par terre ou quoi? Même pas. Allez, tu vas te le mettre. Allez, fais-le toi. Nickel. Chasse réussie les gars. Nickel, il y a un coffre là, je vais aller l'ouvrir. Chevalier des pays stockés, bon rien de particulier. Retourner au dernier lieu de repos, c'est pas là. Retourner à la voiture, elle est pas là. Ok. On a nos chocobos, ils sont en train de nous appeler en plus. Normalement je peux faire venir la voiture aussi, mais bon ça c'est pas ce que je veux faire. On va partir parce que ce que je viens d'entendre c'est pas un petit Daemon qui vient d'apparaître, c'est un gros. Allez c'est parti. On rentre à la base normalement. Alors le chemin se fera normal, tranquille. C'est un peu bizarre, mais je crois que c'est en fait comme il pop, ça fait exploser des arbres. Allez, on est bientôt, il y a le panneau qui est juste là. On y est. J'avoue, quand ils volent, c'est tellement stylé. On peut planer aussi. Mais c'est bien que leur utilisation est complètement copiée de celle du MMO en fait. Et ça c'est vraiment classe. Allez c'est juste là, on y est presque. Franchement la nuit c'est vraiment pas un lieu pour faire des quêtes hein. Allez hop, on va se faire encore quelques giles. Et ça c'est classe. Ok, nickel. Bah, on rend ta quête, Apollo. Ah, nickel. Nickel, Chrome. Ça nous fait pas mal de giles. Ah, attends. Je crois que maintenant, du coup, on l'a peut-être débloqué la dernière. Faut avoir le grade 4, merci. Alors, Noctis. Bracelet de grenade. Ok, on monte un peu la force. On monte un peu la force de 30, 35. J'ai par balle. Ok, combinaison par balle, ok. Augmente la... un célèbre épéiste. L'épéiste, ce serait pas mal pour moi. Donc les Gladios. Toujours. Ok. Nickel. Alors 1000 d'argent, hein, c'est ce que je me disais. Il y a bien un truc plus fort que ce qu'il a normalement. Ouais, on va mettre ça. Je crois que c'est... Ok.
Moi, je préférerais qu'il se voie un peu plus porté sur ça, mais. Ok, chevalier des pays, ça augmente un peu l'armure en fait. Normal. Relais d'améthyste, tu. Il n'y a pas de truc pour améliorer la force. Si. Bon, bref, pour ça, c'est cool. Ok. Bon, rien de particulier au niveau de ça. Donc là, c'est cool. Ok. Donc la carte, on va se téléporter à la voiture. On va faire les quêtes de là-bas pour se faire aussi un max de blé. On va finir les quêtes qu'on a. Enfin, je vais essayer. Finir les quêtes de l'Estalum. Et on va faire ça. Ouais. On va faire ça avant la fin du let's play. Ce serait déjà pas mal. Bon, on va retourner à la voiture. Comme ça, on pourra repartir sur l'Estalum. Je vais juste voir ce qu'il y a comme quête de chasse à la station service. Mais je crois qu'il n'y a rien de particulier. On peut pas améliorer les armes vu que Sid il n'est plus à la base. Donc je sais pas comment on va faire pour mes armes. Mais bon, ça c'est pas le truc le plus important. Ok. Alors, un cheval feuage, un Junji jaune. C'est 2003, ouais, c'est clair, hein, je la prends direct. Bon, c'est un peu loin, je vais t'avouer, mais avec nos chocobos ça va aller vite. Et après on repartira sur l'Estalem pour faire les quêtes qu'on avait récupérées là-bas. Ouh, ça va, ça s'auto. Allez, c'est parti. Ah, vous avez vu du coup le cristal là où il y avait vous savez le gros titan qu'on a battu. Bah il s'est abaissé, j'avais pas remarqué. Ça a changé aussi le décor. Ouh. Enfin qu'on est en chocobo, sinon je me serais fait peut-être pas pulvériser vu que maintenant c'est un peu HL bas level pour moi. Je suis plus HL que donc il y a l'armée qui arrive, donc ouais, c'est au-dessus de moi, mais nous, on va les éviter via les flots. Ok, nickel. On continue comme ça. Nos cibles sont pas très loin, elles sont juste là. Allez, c'est parti. Ok, hop. On scanne tout ça. Comme les autres, allergiques. Ouh, combo de parade. Ça, c'est beau, ça. Allez, hop. On enchaîne le combo. On enchaîne le marquage en coup critique. Allez, hop. Tu vois, ma lésion. Nickel. Ça, c'est un combo. Parfait. Ok, ensuite. Ouh, petit combo de groupe. Bon allez, un petit marquage en coup critique encore. Oula. Voilà, on va faire un tourbillon. Ils sont bien ensemble. Allez hop.
On va jouer avec eux. Vas-y, un petit tourbillon, Gladio. C'est parfait, là. Nickel. Ok, combo. Boum. Elle va pas me lâcher. Allez, prompto, fais-toi plaisir. Tu nous fais un critique ou pas, prompto? Non, même pas. Nickel, chasse réussie. On a géré, les gars. On a géré du pâté. Hop, on retourne au véhicule, on rend la quête. Et direction l'Estalom. Pour se faire encore quelques petits sous. N'est-ce pas? Ok. Alors. Faites un rapport à l'informateur. Voilà, on va récupérer nos giles. Ok, nickel. Merci, donne-moi mon pognon, je me casse. Cheville de guerrier, nickel. Tu vois, on loot des trucs qui vont nous être utiles après. Allez, grade 3, tracker. Donc, bracelet des... Ok, nickel. Attends, on monte dans le... Dans l'affaire, là. Un cheval sauvage. 25. Marécage d'Alstor, ouais bon ça je ferai plus tard quand j'aurai vraiment besoin dessus encore. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on va donc faire un chariot qui transportait de la marchandise. Un chasseur de légumes, ça m'intéresse pas. On va déjà faire celle-là. Un tempérament de reine mais je peux pas la faire. Jamais 203. Je vais faire, on va faire chariot en péril. Et jamais 203. Allez, c'est parti. On peut maintenant se conduire de... Oh, nice. Ouais, il va me... drive est kikenda. Mata denonso. Tashikani. Ah ouais, maintenant, t'as compris. T'as compris que tu peux conduire. Alors, parking. Donc c'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage. Donc on va appeler les chocobos. Allez c'est parti. C'est parti, on va y aller direct. Allez on presse le pas direct. Sous la pluie en plus. On s'en bat les couilles. Mais tiens, il est déjà 6h du matin, quoi. On a quand même pas mal roulé, hein. Mais ce qui m'inquiète, c'est quand même cette sorte de grosse montagne de fumée. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça a l'air d'être un truc... de cool, quoi. J'ai l'impression que c'est là où j'étais, sans l'être, en fait. J'ai l'impression que c'était un peu plus près, quand même. Ouais,
Et hop, on est à quelques mètres. Allez, 200 mètres même pas. On va aller chercher ce chariot. J'ai l'impression qu'il est... Ah putain, c'est là. Mais est-ce que je sais pas si... Non, on va retourner au parking en bas. Putain, c'est chiant ça, qu'on puisse pas sauter, même si on se casse la gueule, c'est pas un problème, tu vois. Ça m'a jamais été un problème pour moi. Vous connaissez, je suis un peu un casse-cou dans les jeux. Même dans Hitman, j'avais pas hésité à sauter d'un toit en se disant ah, il va pas mourir. Ah bah si, c'est qu'il est mort direct. Mais bon, chaque jeu a sa physique particulière. Mais après, c'est vrai que, voilà, pas très pro, on va dire, pas très classe de quand tu sautes comme ça, de pas pouvoir passer la barrière. Mais bon. Allez hop, c'est reparti pour un aller-retour. Plus les chocobos vont pas tarder à nous lâcher. Je les ai loués que deux jours. Allez, on y est. Et après, on va voir ce qu'on peut faire d'autre autour. Nickel. Ah ouais, il y a des abeilles. Bon, alors on va faire un peu le ménage. Wow. Elles nous aiment pas, les abeilles. Et du coup, on va les défoncer un petit peu à coup de marquage en coup critique. Oula, j'ai eu un petit bug avec le marquage, mais rien de méchant. Allez hop. Nickel. Allez, un autre marquage. Nickel. On va pouvoir récupérer ce qu'il y a dedans. Nickel, ensuite. La baie sur le gâteau, je m'en fous. Le tempérament de la reine, jamais 203. Ok, chasseur de légumes. Et... Alors lui, il te prend d'aller loin quand même. Hein. Je suis jamais allé là-bas. Ni ici en fait. Et la nouvelle quête pour moi là-bas. Oh putain, j'en ai tellement. Allez, c'est parti, on va retourner déjà au véhicule. On retourne au véhicule, on retourne à l'Estalum, on rend la quête et on arrêtera l'épisode sur cette fin de quête. Je vais après profiter de passer à la boutique de l'Estalum pour acheter, au prochain épisode bien sûr, avant de reprendre mon truc, d'acheter tout ce que j'aurais besoin. Et on en aura fini, je pense. Directement, Charon en péril, tu peux pas te téléporter là-bas, d'accord, ok, super. Donc tu peux pas te téléporter au barrage. Bah si, tu peux aller là-bas, voilà. Ouais, sauf que moi... Faire des allers-retours, ça va me saouler. Ça, je vous le dis clairement. Allez, on va se trouver un autre moyen. Conduite automatique.
Disque de Coutès. Ça veut dire que l'Estalem, tu peux pas me téléporter là-bas, mais tu te fous de ma gueule alors que je peux me téléporter juste à côté. Bon, on va aller là-bas hein, directement. Ouais, c'est un peu foutage de gueule quoi. Tu peux pas aller à l'Estalem, mais tu peux aller au parking à 800 mètres de là quoi. C'est abusé. Donc c'est quand même assez perturbant. Ce qui est chiant encore, c'est le chargement. Moi, je vous le dis, le chargement qui fait bien chier. Mais bon, ne tirons pas sur la police, comme on dit, c'est ma faute. Si je voulais, j'aurais fait moins le feignant. En prenant la voiture, je serais déjà arrivé à l'Estalem. Mais se taper un voyage en voiture, c'est chiant. Franchement, à force, au début, t'aimes bien. Après, t'aimes pas trop. Hein. Bon, allez, on va faire une petite conduite. Allez, hop, on va finir vite fait cet épisode. J'ai pas le temps avec vous. Ouais, nickel. On fonce sur l'Estalem rapidement. Je me demande ce qu'il va me donner le type. Enfin, on sait ce qu'il va nous donner, mais... Est-ce qu'il... Non, il nous le dit pas. Enfin, je vais pas perdre mon temps. On verra bien ce qu'il nous donne. Hein. J'ai pas regardé. C'est vrai que je devrais regarder par la suite, mais bon. Voilà, continuons notre petite aventure. L'épisode va durer un peu plus d'une heure, une heure, mais bon, ça, cela a plein de problèmes. Sachant que c'est du farm, hein, donc j'avais prévenu. Du farm et des petites quêtes comme ça. Et c'est là pour se faire quelques gils. Parce que quand même, on était à 1070 gils, c'est pas top. Tu peux acheter 5 potions, quoi. Et encore, des petites potions. Après voilà, c'est pas... Ce qui est vrai, c'est que les potions t'aident à récupérer assez rapidement. Et t'es pas obligé à chaque fois de claquer une queue de phénix. Donc ça, c'est déjà ça, tu vois. Mais bon, les queues de phénix, déjà, j'en ai plus beaucoup. Donc ça veut dire que si on tombe dans... On sera dans le pétrin, quoi. Après, c'est vrai que c'est... Les queues de phénix, faudrait vraiment les... Vraiment les économiser, pardon. C'est vrai que je me suis jamais garé dans ce parking. Peut-être le pourquoi du comment. Ah mais carrément la marche arrière et tout. On gagnera la place et on te laisse ici. C'est un peu bâtard quand même ça. Alors. On est quelques mètres, c'est pas top ça. Ok, on y est presque. Ça c'est cool. Il nous attend au marché dans tous les cas. Ok. Ah, tu m'étonnes. Nickel. Wow, voilà, ça a donné pas mal un fil de la trame. Vous voyez, ça rapporte quand même des trophées. Intéressant même. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouve rapidement pour la suite en story mode. Sur ce, bye !